Bonjour à tous et à toutes, chers amis du club Génération Geek, c'est l'Antothèque, je suis accompagné du... Blalo Foltef. Pour jouer... Avec Tracer Trash. Cette vidéo commence bien. Cette vidéo commence, c'est le cas de le dire. De toute façon, ça va être la cata sur ce jeu, donc autant vous le dire. Ah, voilà, vous voyez, ça c'est dit. Donc, nous jouons à Hunted. Nous jouons à Hunted. Comment vous expliquer, Blaireau. Comment dire? Alors, on a passé quelques minutes de test sur ce jeu. C'était les minutes les plus longues. Toi, c'était les minutes les plus longues de ta vie. Moi, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu. Comment vous expliquer? J'ai vu un trailer. Il me l'avait proposé sur Steam, exactement comme Blood Kitten. J'ai regardé. J'ai bien aimé le terminer. Mais la fin. La fin du jeu, mec. C'était une mauvaise fin. La mauvaise fin bâclée. À la fin de la vidéo, je vous dirai comment éviter cette fin bâclée. Mais putain, mec. Qu'est-ce que vous avez fait? Déjà que le jeu, niveau gameplay, c'est pas un truc de malade. Sans, vous allez, tu vas voir tout de suite, hein. Tu n'as pas, si, tu, toi, tu n'avais pas joué avec le son, je t'avais pas montré. Donc, un joueur. Je propose, on fait le prologue ou le chapitre 1? Le prologue. Le prologue, on va, donc tu vas assister au doublage du jeu. Eh ben, je suis prêt. Moi qui suis très pointilleux sur ça, je suis prêt. Ah ben, prépare-toi. Je vais m'attaquer à ça. Encore, sur certains points, ça va, il y a des personnes, on va y revenir après. Mais, de toute façon, on en parlera à la fin. J'en parlerai vraiment, on va parler pendant le jeu. Bon, on est là, c'est... Bon. Le jeu, quand même, techniquement, il est pas moche. Tu vas voir. Enfin, moi, je suis pas difficile en termes de graphisme. Les dragons, quand même, ils ont plus une bande de gueule. C'est un peu des dragons de l'heure. Toi, tu vas faire ton propre avis. Mais, quand même, il a son ambiance. Son ambiance. Mais... On y reviendra après. On va y revenir pendant le jeu. Mais quand même. Ça aurait... Bah, là, bon. C'est compliqué parce que c'est assez chaud quand même. Mais... L'intro elle est pas mal, hein. L'intro elle est pas mal, mais tu vas voir le doublage, tu vas voir, tu vas rigoler. Le doublage, tu vas rigoler. C'est digne de. Calme sur lui. Tous tes désirs peuvent devenir réalité. Bien baisé. Ouais, tous tes désirs. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mettez-moi les lunettes. Ah merde, c'est pas de la vraie 3D. Ah mais visuellement c'est beau, hein. Il est pas moche, hein. Il est pas moche. Ah, j'avais vu Bethesda. Bethesda, ouais. Bethesda, ouais. Qui avait travaillé, il me semble, sur Dishonored, non? Faudra confirmer, mais je crois... Castlevania. Non, il a fait Fallout, il fait Fallout, les Skyrim, je crois que, de toute façon, il faut que Junior confirmera, sinon on a, moi j'ai pas les noms de développeurs en tête. Le dernier mot pour tout dire, là j'ai rien compris, donc là ça commence fort là. Evil Within, c'est sûr. Attention, peut-être là, non? Non, là c'est un petit bécole. Ça c'est un personnage qu'on joue, ça. Dans mes bras, faire un câlin. Moi je veux bien. Là ça commence. Oui. Qui est là? Non, ça, ce personnage là que nous voyons, il s'appelle Kadok. Kadok? Kadok, ouais. Ça ne dit pas quelque chose, Kadok? Ah si. Pâte de canard! Je sais ce que tu as perdu. Donc tu vois, quand même là, avec le début, il a quand même sa petite ambiance. C'est le jeu, mine de rien, il a quand même une ambiance sombre. Moi, je suis un amateur. Comme je vous le dis, j'aime bien les jeux d'ambiance. Je sais pas si t'entends la voix. Est-ce qu'il est en train de parler, le bonhomme, là? Oui. De toute façon, tu vas voir, il y a une scène de dialogue après. Juste après. Pour l'instant, ça peut aller. De toute façon, on va y revenir après. Ça peut aller. Où êtes-vous? Êtes-vous toujours là? Oui. Tu es si proche. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que c'était que cette expression de dire cette phrase? Oh mon dieu. T'as encore rêvé d'elle? C'est pas drôle, Ella. J'ai honte. Mais j'entends pas, moi. Et je n'ai pas aimé comment celui-là s'est terminé. Ça suit pas la fin du... Regardez bien l'expression de monsieur...
en ton taker. Ne me regardez pas, je veux me regarder. Tu rêves est probablement un croisement entre la serveuse que tu n'arrêtais pas de reluquer et un morceau faisandé de viande de porc. La viande de porc expliquerait la faim. Essayons de dormir. On doit arriver à la fontaine d'Elisha avant le lever du soleil. Oh putain. Oh putain. Ah, quelle horreur. Ah, mais quelle horreur. Je t'assure, Elara, ce rêve était différent. On dirait une sorte de prémonition. Tu es parano. Je suis prudent. Si quelque chose nous attend, il vaut mieux être préparé. Tu t'en fais trop. Tu prends tout à la légère. Tes inquiétudes ne t'apporteront que des rides, vieil homme. Vieil homme. T'es deux fois plus vieille que moi. Et deux fois moins mûre. Et dix fois plus belle. Là, l'entrée de la fontaine est de l'autre côté du pont. On y est. Putain. Ça te dit de devenir riche, fillette? Il n'y arrive pas. Ah, ah, mes oreilles. Respirez. Ah, je saigne pas, tu vas bien. Ah non, mais là, j'exagère pas, mais putain. Oh, on était à la limite de l'Edge of dans comme dans le joueur du grenier, c'est exactement la même chose. Ouais, alors, moi, j'avais lu dans les forums, niveau du doublage, bon, il y en a, ils aiment bien quand même, ils disent qu'il est pas... Il y a, bon, il y a, c'est vrai qu'il y a sur certains lignes de dialogue, le doublage, il est pas convaincant du tout. Il y a des moments, ça va encore. Ouais, au tout début, ça a été. Kadok, ça va encore. Elara, ça dépend sur les certains points. Kadok, non. Oh, moi, je peux te dire. Sur certains points, ça va. Sur certains points, je dis bien. Ouais, oui, mais c'est rare. C'est rare. Elara, ça va. Mais on va dire que ça va encore un petit peu. Enfin, moi, je suis pas difficile. Oh, mais Kadok, putain. Mais on pourrait regarder le jeu. On pourrait regarder déjà le jeu. Déjà, moi, je veux dire, on peut mettre le jeu en VO sous-titre. Il paraît que la VO, elle est beaucoup mieux, ce qui est un peu normal, suivant certaines personnes. Mais moi, je vais vous dire, les doublages mauvais, ça me dérange pas, moi ça me fait rire. Ça décrédibilise tout. Bah oui, mais malheureusement c'est ça le problème. T'as vu ça? Alors, il y a un petit combat. Alors, je vais vous dire très franchement. Alors déjà, t'as la possibilité de switcher entre notre ami Kadok et Elara. Elara qui est notre petite archère. Alors, faut dire très franchement, en termes d'histoire, ça casse pas trois pattes à un canard. T'as pas mal d'incohérences, malheureusement. Je vais pas spoiler le jeu parce que il mérite le coup d'œil quand même. Il a sa petite ambiance qui vaut le coup. Mais quand même, alors au niveau du gameplay, c'est pas un truc de ouf. Faut le dire très franchement. Variété d'ennemis, zéro. Variété d'ennemis, c'est zéro. Y a pas grand chose. Après niveau du gameplay, c'est bon, tu vois, attention, ça va être les grandes lignes. C'est un peu tiré à la Gears of War. Le Gears of War, tu sais, t'as un système de couverture, tu tires. Alors, je vais vous dire très franchement, c'est mieux de jouer avec Elara. T'entends les dialogues là? Ah oui, j'enlève parce que non, c'est vraiment. Non, mais attends, il. Attention, des araignées. Putain. Oh la vache. Alors, très franchement, quand même, au niveau du game, il est beau, hein. Ça peut aller, le jeu est. Les graphismes malheureusement, le truc visuel sauve le jeu. Mais... même sur certains ennemis, quand tu les blesses, suivant, tu vois comment ils se font épingler. Voilà, j'ai les épées là. Alors, je joue avec les épées. Et Elara, c'est vraiment pas le corps à corps. C'est pas son domaine de prédilection. Voilà, c'est des petites araignées, donc tu t'en fous. Yop là. Il y en a, ils aiment bien quand même le doublage. C'est vrai qu'il est mauvais sur certains. Déjà, les civils, c'est lamentable, les civils. Ah bon? Ah ouais, les civils, il y a vraiment... C'est-à-dire qu'il peut y avoir pire que ça? Il y a peur, pire que ça, c'est les civils, tu alors attends, normalement, il y a des araignées. Oh Seigneur, nous avons des ennuis. C'est presque ça. Non. Pourquoi je peux pas? Y aurait-il encore des araignées? Alors, est-ce qu'il y aurait une araignée qui bloque quelque part? Ou il faut que j'aille là? Ah bah non, il faut que j'aille à la fontaine pour... Toute l'eau mana que le client voulait. Poste de mana. Le sang brûlant de la déesse. Elara, viens voir. Je connais cette porte. Putain, j'ai un documentaire de France 2. On doit voir ce qu'il y a derrière. Tu me connais. Elara, ça peut encore passer sur certains points. On va dire que dans le groupe, c'est elle qui a le meilleur visage. Ouais, mais Kadok, putain. Par contre, les gens, ils disent que Elara, elle a une voix de gonzesse du téléphone rose. Je ne sais pas c'est quoi le téléphone rose. Ouais, mais bon.
sois sur tes gardes. Moi, pour moi, téléphone rose, c'est du truc, tu sais, du voilà. Porno ouais. Par téléphone. Comment tu t'appelles? Gérard Bouchard. Bienvenue. Gérard Bouchard. Tu me fais plaisir. Gérard Bouchard. Tu vois, il y a parfois des teams invisibles. Alors, niveau variété ennemi, c'est zéro, faut le dire très franchement, parce que t'affrontes tout le temps les mêmes ennemis. Ça va à des orques, différents types d'orques, arbalétriers, guerriers, des gros, et puis des gros bourrins, minotaures, minotaures de base et minotaures gros bourrins en armure, des squelettes, archers, squelettes corps à corps, et des araignées. Ça s'arrête là. Le... Après, le cinquième, c'est un boss, c'est une sorcière éventuellement, une sorcière. Sixième, un démon. Ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas au niveau du bestiaire, c'est ce qui m'a... Moi, parce que moi, je suis un peu friand du bestiaire dans les jeux vidéo. On est loin de l'ombre du Mordor, quasiment, quoi. À l'ombre du Mordor, il paraît que c'est pas non plus varié à ce point-là, hein, mais... Ouais. Bon, après, moi, j'ai pas essayé. C'est la pire de mon rêve. Ceci était un message. Donc, voilà, la petite... Donc, voici la Séraphine. Bonjour mademoiselle. Là, déjà, faut dire au niveau du gameplay. On va dire après, est-ce que j'ai pas cité un truc. Oui, je m'appelle Séraphine. Ces visions ne sont qu'un avant-goût des riches et du pouvoir qui peuvent être. Il avoue. Je te l'avais dit, Elara, ce n'était pas de simples rêves. Quoi? C'est elle la fille de tes rêves? Elle a l'air d'être une fille très bien. Commençons par une faveur. De quoi t'as besoin? D'un peu de soleil. Nul besoin d'être hautaine, chasseresse. Mes désirs sont des plus simples. Prenez juste la pierre des morts qui gît devant vous. Toucher une pierre des morts. Ne soyez pas effrayés par une rhétorique insensée. Les pouvoirs de cette pierre sont nombreux. Elle me permet de canaliser l'énergie de certains cristaux vers leurs porteurs. J'en peux. Apportez-moi ces cristaux et je vous offrirai tous les pouvoirs que vous rêvez d'avoir. Et où se trouvent ces cristaux? Ils sont dispersés à travers le royaume, oubliés de tous. Alors, rapportez-les-moi. Mais c'est une pierre des morts, à côté d'un cadavre. Accordez-moi votre confiance. Le temps m'est compté et j'ai besoin de votre aide. Je suis lié à la pierre des morts, un artefact faisant le lien entre les vivants et les... Elara, non ! Quel con ! Qu'est-ce qui se passe, Blaireau ? Explique-moi ! Oh, c'est un flashback dû à la pierre qu'elle a touchée. Ok. Et c'est un rapport avec justement la... La fameuse gonzesse blanche aux arguments qui manque qui a certainement l'équipe a manqué d'encre pour faire le personnage, hein. D'encre, c'est-à-dire hein. D'encre, ben elle est blanche et noire. Ah. Blague de merde. Ouais, bah c'est mieux que les dialogues de ce jeu. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, j'entends pas, moi je suis à peu près. Que ça fout le bordel, parce que en touchant la pierre, ben il aura foutu Dieu dans la merde. Alors. Faut dire aussi quand même, le jeu, bon, malgré son doublage catastrophique, hein. Déjà le jeu, très franchement, bon, niveau gameplay, c'est pas non plus un truc de malade. Bon, moi j'ai quand même aimé faire le jeu, je le cache pas, j'ai quand même fait le jeu. Mais, quand même, faut dire aussi, voilà les fameux squelettes. Hein. Après, faut dire quand même, le jeu, en soi, ça va, il est pas trop moche, t'as pire quand même. Hein. Mais je vais vous dire franchement, tu vois, un système d'achèves lignes à la Legolas, on va dire. Ouf. Ouais, c'est ça. Je vais vous dire très franchement, quand vous jouez à ce jeu-là, jouez la fille. Avec le mec, on est invincible. Mais sur certains points, avec le mec, on est invincible. Le mec, il est trop fort au corps à corps. Après, avec un niveau de difficulté élevé, ça doit être différent. Je ne dois pas vous le cacher. Bon, par contre, un truc qui est assez chiant au niveau des combats, c'est que parfois, quand vous voulez viser les ennemis avec votre arc, le personnage de Kadok vous embêtera. Ouais. Vous êtes là, vous voulez viser l'ennemi, merde, t'as envie de dire, dégage de là.
Parfois le mec, quand tu le pousses, il t'insulte le mec, il fait ah mais est-ce que je te gêne? Mais c'est parfois, ça peut être embêtant. Je crois que t'as un squelette derrière toi qui te tire dessus, qui te frappe. Mon partenaire est blessé, tu vois, faut que je lance une potion. Sur ton partenaire, alors, faut dire quand même déjà, au niveau de l'IA de ton partenaire, en soi, pendant les combats, il peut te gêner pendant que tu tires, tu vois, là, je vais essayer de dégommer les machins, mais ça, c'est la galère. Ah, tiens, il y a un squelette qui est dans... Parfois, c'est assez chiant parce que, regarde, le délire, le mec saigne, hein. Il a frappé les squelettes, il saigne. Ça fait gicler de sang, hein, le truc un peu what the fuck. Donc, au niveau de l'IA, à part quand tu disais, quand tu joues à l'arc avec la fille, il est gênant, mais sinon, après, il t'emmerde pas plus que ça. Il faut quand même dire le truc, le personnage t'embêtera pas. Il te fera pas chier jusqu'au bout. Donc ça va, là, ça sera peut-être mieux qu'un certain Resident Evil 5 avec Shiva Alomar, bon bien que le jeu soit meilleur, hein. Le personnage de Kadok traînera pas souvent dans tes pattes. S'il est dans tes pattes, tu le pousses un peu, il reculera, c'est bon, mais... Il y a des moments, ça va, ça sera pas aussi chiant. Là, il faut changer de personnage, mais j'ai pas envie, j'ai envie de garder la fille, parce que la fille, elle est beaucoup... C'est très... Bon, là, je pense que pour le jeu, je suis obligé. Je voudrais ouvrir la grille. Non, je suis obligé. Je suis malheureusement obligé. Bon, tu peux switcher entre deux, hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais... Alors, tu vois, ouais. Faut juste faire ça. Hop. Parce que monsieur, il est plus costaud. Masturbation du bouton là. Ouais, c'est un peu... C'est un peu hasardu parfois, c'est les QTE. Il y a juste 100 QTE, mais c'est pas... Voilà, hop. Mais... Bon, il faut le reconnaître quand même, le jeu, il a son ambiance. Ce qui est dommage, c'est bon. Après, si vous voulez jouer, hein, jouez en VO sous-titré, hein. Oui, là, voilà. Ouais. Bon, ça va si vous êtes un amateur de doublage pourri comme moi... Oui. Là, vous allez trouver votre compte. Mais il y a quand même certaines lignes de dialogue, parce que Kadok et puis la Miss, il y a pire que moi. Il faut le dire quand même. Après, tu vois, ah oui, là, la pierre des morts. Rien qu'on on va entendre les dire. Ah, ça, c'est, tu vois, la fameuse pierre qu'on a récupérée, ça permet de savoir l'histoire du cadavre, du Maccabée qui était avec nous. Il était juste là. Alors, tu vois, l'effet de lumière, il est assez dégueulasse par contre. Voilà, admettre. Il raconte son histoire normalement. Ouais. Il raconte ce qui lui est arrivé. Placement de produit. Est-ce que ça va au niveau de la voix? Ouais. Tu vois, c'est pas tout mauvais, y'a pas tout acheté. Hein. Mon propre fils, son cadavre rigide encore à ce jour. Hache en main. Je me pète Kadok. Alors Kadok aussi a une arme, hein. Il peut tirer à l'arbalète, mais son arbalète est. Il est moins à l'aise au tir que sa copine. Alors, Kadok, lui, il a une spécificité, c'est que quand il tape. Lui, il peut enclencher en appuyant sur Y, tu vois, à force de tuer des ennemis, sa jauge se charge. Et puis, il peut assommer un coup puissant. Bon. Là, il n'y a pas grand chose. Alors, au niveau des armes, tu peux en récupérer plusieurs. T'as des armes qui sont par terre, parce que déjà, certaines armes ont des capacités différentes. D'autres qui font des dégâts électriques. Le bouclier se casse au bout d'un moment. Alors, tu vois, là, ma jauge est chargée, je vais assommer un coup. Alors, tu vois, Lara, elle a un peu de mal au corps à corps. Et là, je vais charger mon coup, paf, tu vois, je fais un coup plus puissant. Après, là on peut pas le voir, mais ouais, là on peut pas le voir normalement. Attends, parce que je voudrais montrer les pouvoirs. Ça c'est mal foutu à ce truc là. J'ai pas encore les capacités. Attends. Ah bah attends, on peut changer de personnage. Ah bah non, on peut pas encore changer de personnage. Bon, les pouvoirs, je peux pas encore vous les montrer parce que je crois qu'il faut les débloquer quelque part. C'est la Séraphine qui nous donne la capacité. Mais ça, on va le voir après. Bon, après, techniquement, bon, déjà le jeu il est assez linéaire. Donc tu vois là, je peux changer d'épée. C'est une chose que je peux... Bah non, il aura... non. Tu vois, je peux changer mon épée. Bon, mon épée est plus puissante. Alors tu vois, dégâts de furie, t'as le gain de furie en rapide ou en... Mais moi, je vais garder mon épée parce qu'elle est plus puissante. Logique. Ce qui est logique. Ensuite, tu récupères les armures. Hein. Bon, les armures, c'est assez rare, mais une fois que tu récupères l'armure... Alors, je me trompe peut-être. Et Lara gagne aussi l'armure que tu récupères. Donc, après le jeu, il faut dire ce qui est... Malgré que tout est bon acheté. Bon, attention, rien n'est. Pas tout dans le jeu est acheté. Non. Le gameplay, bon, certes, il est un peu lourd, mais c'est. Il y a pire. Il y a quand même pire. Mais. Le. Il y,
il a quand même ses lacunes. Tu vois. Mais le problème, là, tu vois, quand je joue Kadok, j'ai l'impression d'être un titan, quoi, comparé aux ennemis. Tu le remarques, hein. Quand... Même l'araignée qui recule. Non. Là, tu vois, là, il y a des armes là-bas à récupérer. Et Lara, bizarre. Et quand tu joues Lara, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. Tu tires à moins de te frotter au corps à corps avec Elara, parce qu'un peu normal, c'est une elfe qui joue avec un arc. Le truc qui fait un peu cliché quand même. Alors tu vois, parfois le truc qui t'impose des petits énigmes à la con, là je dois délai ne pourrait être manié que par celui qui allumera la flamme. Énigmes à la con, mais qui parfois peuvent être assez... qui te font un peu creuser les ménages. Alors là tu vois, tu demandes à Elara de cramer le machin. Parfois là tu vois, elle a cramé le machin. Et après tu lui dis d'aller normalement un peu faire le truc là-bas. Vous pouvez diriger votre partenaire. Alors, normalement, il faut que je fasse ça. Tu vois, là, elle va le faire. Hop, elle a eu résolu l'énigme. Alors, ça, c'est une petite énigme simple. Rien de bien méchant, tu vois. Mais il y a des moments où tu rencontres des espèces de statues. Des statues qui te font des monologues. Quand tu les rencontres, qui te posent des énigmes. Et parfois, les énigmes, elles sont un peu. Bon, c'est pas des énigmes tordues, mais il faut que tu réfléchisses un petit peu. Et ça, c'est bien foutu. Mais par contre, je trouve, franchement, quand tu vois les statues, il y a une façon comment elle raconte l'énigme avec la grosse voix bien grave, ça fait un truc assez glauque. Mais moi je trouve ça assez bien foutu comment elle parle les statues. Moi j'aime bien l'idée, comment on s'est fait l'idée des... Bon ça c'est un peu plus tard, hein. Le guide spirituel, alors ça te dit qu'où il faut aller. Mais il faudra que je vous montre les pouvoirs pour terminer un peu le... Ouais la parade, bon la parade avec... Regarde avec Kadok t'es un monstre avec Kadok. Et quand t'as les pouvoirs avec Kadok, c'est encore pire. Tu vois, les ennemis me tapent. Ah, j'encaisse tout. Tu vois, l'ennemi, là, il y a... Hop. Tu vois, il y a un bouclier. Hop. Bon, bah, tu vois, l'ennemi me fait mal quand même. Hein. Mais bon, voilà. Avec Kadok, je suis le monsieur indestructible. Enfin, pas non plus à ce point-là, mais... T'auras compris que dans l'idée, c'est pas... C'est dans le même genre. Tu vois, boum. Ah, je suis Kadok, guerrier des Andales. Bon, bien sûr, quand tu te fais enchaîner par certains types d'ennemis, là, tu peux un peu être dans la merde. Le problème avec le jeu, c'est que il est, le, comme je l'ai dit, pardon, excusez-moi, je me fais quand même enchaîner. Et là, pouvoir génial, boum, t'as vu. Par contre, je sais pas où est parti Lara. De toute façon, Lara va me sauver normalement si je suis dans la merde. J'aimerais bien savoir où est parti Lara. Alors il aura pas... Ouais parfois t'as ton partenaire qui est comme ça, qui est... Bah il est là, je sais pas ce que le foutait. Ouais bah j'ai regardé au loin, j'ai regardé l'eau. Je m'ai trempé les pieds, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis... Donc, parfois t'as besoin d'état 2. Alors tu verras que Ilara elle est un peu mal vêtue. Quoi? Toc toc, qui est là? Une porte! Sérieux? Alors là elle va nous donner les pouvoirs la Séraphine normalement. Le danger qui vous attend est bien plus terrible que je ne l'avais soupçonné. Néanmoins... Je peux vous octroyer le souffle du dragon, une énergie d'une puissance dévastatrice. Sans les cristaux adéquats, ce pouvoir ne serait pas temporaire. Mais il y a pire que ça, je te rassure quand même, dans le jeu, il y a pire que ça au niveau des... Que vous foulerez d'ici peu. À mon avis, il y a plein d'ennemis là qui vont se réveiller, non? Non, même pas. Alors tu vois là, on a eu un pouvoir. On va pouvoir jeter de l'électricité. Alors ce qu'il y a de bien avec l'électricité, enfin au niveau 2, quand tu le charges, tu peux... au niveau 2, l'électricité, parfois ton collègue il charge l'énergie et il te le jette sur toi, ça te donne un boost de dégâts alimentaires. Ah oui, en fait, ouais, t'avais raison, mais oui. Ah bah non, mais... Ah, et là, il va y avoir une baston. Oh grand Dieu, quelle est cette puanteur ! Putain. Mais ça ne peut pas être nous. Ouais, il y a une baston, il y a des squelettes qui vont arriver. Putain, mais ça se voit, en fait, elle correspond pas du tout au personnage. C'est ça le problème. Mais c'est vrai qu'il aurait été... Mais après, c'est le genre de jeu aussi, au niveau des doublages, c'est pas... Ouais, j'ai plus de mana du coup. Mais la VO, elle est beaucoup mieux. Hein. Moi, j'avais entendu la VO, après... J'ai pas trop compris ce qu'il a fait en chiffrant. Bien, là on va faire exploit de se faire encercler. Oh, ils sont bouclés, ils lui décapitent la tête. Je crois que ta coéquipière est en... Elle peut crever, hein, mais... C'est pour ça, dans le jeu, quand tu... Bon, déjà, il y a le fait que ton partenaire, il est hyper réactif quand t'es dans la merde.
comme Resident Evil. Resident Evil, parfois, ça a vraiment du mal. Ah, tu vois, j'ai perdu mon pouvoir. Non, tu vois, là, ouais. Merde. Ah, tu vois, il faut que tu martèles oh, et puis après, hop, voilà. Ah oh, oui, ça rentre. Il a quand même pas dit ça. Non. Non, heureusement. Ah, tu vois, il y a pas besoin, pas besoin du beurre salé. Papa, tu peux ramasser. Ah, vas-y, ça laisse mon épée par terre. Je vais garder mon épée, moi. Je suis obligé, apparemment. Ah, voilà un souvenir. Bon, bah, tant pis, on va devoir utiliser une torche. Parmi vous, pas. Changer ton bouclier avec, non? Je peux pas, ça. Oh putain, c'est nul, c'est à chier. Même avec la torche, le mec, il est gomme tout. Alors, ça, l'argent que t'as là, ça permet de débloquer les trucs. Tu vois, c'est assez glauque, t'as vu les squelettes, ils essaient de t'attraper quand même. Tu vois, ça a son petit charme quand même. Ah, tu vois. T'as vu les squelettes, ils essaient de m'attraper. Regarde. Ah ouais, je vois ça. Viens-moi. Ouais, c'est un petit. Mais il a. T'en reconnaîtras quand même qu'il a son ambiance. Hein, le jeu, il est pas. Bon. On va pas dire non plus que c'est un bon jeu. C'est un jeu. Moyen. Moyen. En fait, ce genre de jeu, c'est plus déjà sur Steam, il est bon. Les gens, ils vont dire quand même. Vous allez dire, on fait beaucoup de pubs pour les jeux sur Steam, tout ça. Bon, et on a droit de le faire. Hein. On s'en fout, ouais, n'est-ce pas? Nous sommes commerciales, en effet. On fait du placement de produits, pardon. On fait du placement de produits. Regardez, on fait du Coca-Cola, du Alice au pays de la folie. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Oui, ouais. La vidéo d'Alice au pays de la folie. Hein. Non. En soi, le jeu, bon, il est moyen. Le gameplay, bon, c'est pas un gameplay de fou, c'est pas un gameplay qui révolutionne le genre. Bon, là, attention, là, vous allez savoir, on y reviendra après, une petite interruption, parce que là, vous allez savoir pourquoi on va être dans les emmerdes. Ça sent pas bon. Il vient de dire ça? C'est encore pire. T'es d'accord, c'est encore pire. Je me bats avec un gourdin. J'ai lâché mon épée pour un gourdin. Attention. Mais après, au niveau des combats contre les boss, hein, aussi, c'est pareil, c'est pas un truc de malade. Moi, je prends genre, par exemple, le boss de fin, c'est pas un truc de malade. Hein. C'est un dragon, non? Je dirais pas ce que c'est. Je ne dirais pas ce que c'est. Tire là-dessus. Mais c'est en fait... Il a dit ça? Ouais. C'est sa voix qui lui correspond pas du tout, en fait. Ah oui, sur la corde là. Là, un démon, le fameux démon qui va nous mettre dans les emmerdes. Alors ça, soi-disant, ce démon là, c'est un boss hein, dans le... celui qu'on va voir là. Mais après, c'est un démon qu'on va rencontrer en ennemi de base. Ah bah tiens. Non, le design du boss, il est quand même... du monstre, ah, il est sympa. Badass, hein. Dépêchons. Il est bien sympa le design quand même. On a récolté le cœur d'une partie. Allez, en fait, l'or que je récupère, ça donne des améliorations. Ça peut te donner par exemple plus de flèches, plus de potions, de sets de potions, et même en termes en massacre d'ennemis. Il doit y avoir une explication. Vas-y, je te laisse profiter. Ce qu'elle a à dire. Puis, on n'a pas vraiment un autre moyen de se faire de l'argent rapidement. Regarde. Bien joué, je suis impressionnée. Vous avez prouvé votre héroïsme. Nous ne sommes pas des héros. Héros ou pas, vous avez gagné le pouvoir que je vous ai promis. Donnez-moi les cristaux. Une toute petite seconde. Ma partenaire est quelqu'un de méfiant et quand, sur votre conseil, on a ramassé la pierre des morts, les choses ont pris une tournure catastrophique. Je ne vous demande pas de me faire confiance, mais de m'écouter. Je vous ai dit à vous de ramasser la pierre des morts. T'as l'air médusé. Non, voilà. Comment dire? Créature qui vous accompagne. Bref, le mal est fait, et nous devrons nous en accommoder. À présent, les cristaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est les fameux cristaux. Alors, au niveau des pouvoirs, Kadok et Elara ont leurs propres pouvoirs différents en termes de... Là, pour... Kadok, le corps à corps. Le problème, c'est que Kadok, comme je te dis, il est beaucoup... Bon, je me suis quand même fait défoncer, hein, mais...
Kadok, bien, quand tu joues bien Kadok, c'est ça le problème avec Kadok, c'est qu'il est il est quasiment invincible, le bonhomme. Il y a des boss, tu peux les démonter en moins de 2. C'est pour ça que alors ça, c'est des pouvoirs qui sont communs. Et Lara et Kadok, ils ont ces pouvoirs. Il y a des pouvoirs qui sont beaucoup plus utiles à Kadok que à Elara. Ça, par exemple, c'est un pouvoir qui peut être utile à Elara. C'est, en fait, ça fait une zone et tout ennemi qui est dedans, il se fait éclater la gueule. Comme Elara n'aime pas le corps à corps, tu le mets sous tes pieds, et puis voilà. Alors, Elara, elle a des pouvoirs différents par rapport à Kadok. Elle a les flèches élémentaires, hein, comme toute bonne archère. Les flèches de glace, flèches de feu et des flèches pierce armure qu'on va prendre tout de suite parce que, et après, tu peux assigner ici tes pouvoirs. Alors, le problème, c'est parfois la reconnaissance à la manette et au clavier. Parfois ça passe pas du tout. Une fois je me suis galéré à vouloir mettre un pouvoir là ici. Je me suis un peu embrouillé sur ça. Mais bon après c'est rien de bien méchant. Hein. Alors après tu vois tu peux les acheter. Tu peux acheter des machins pour débloquer les trucs. Hein. Pour donner des... Alors, par exemple il aura besoin de moins de mana pour provoquer le machin. Ce qui va nous permettre... Alors t'as des ennemis, ils ont leurs faiblesses et leurs points forts contre nous tu vois. Bon là on a passé le machin. Admets-le. C'est incroyable. Alors Elara n'aime pas du tout la Séraphine. Je pense que ça se sent, je sais pas si elle le fait savoir un petit peu mais je suis la fille du maire de Daifed, ville qui se situe en contrebas. Je vous demande de chercher mon père et de lui parler. Daifed a besoin de vous et mon père saura vous récompenser. Alors ça se voit peut-être pas spécial mais les graphismes ils sont moyens. Trouvez votre père et lui parlez. Oui. Et celui dont vous avez parlé plus tôt, celui qui a essayé. Ah, c'est pareil aussi. Bon, attends, je dirai après. Vous l'avez semé pour l'instant. Et s'il vous retrouve, eh bien, je saurai vous aider. Ouais, ça fait pouvoirs vous permettront de lui résister. D'accord. On va parler à votre père. Excellent. Une dernière chose, quand vous le verrez, ne lui parlez ni de notre rencontre, ni de mes ennuis. Pourquoi pas? Avec une ville en plein désarroi, mon pauvre père a suffisamment de soucis comme ça. Comme vous voulez. Nous ne parlerons pas de vous. Très bien. Je vous retrouverai plus bas. Plus bas, c'est-à-dire. Bon, en route, pour Daifed. Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. La fille de tes rêves va devenir un cauchemar ambulant. Je confirme. Déjà que cette VF n'est qu'un cauchemar. De quoi ils avaient dit quoi? Non mais même à la base, c'est pas... Ouais mais de toute façon c'est bon, on a fini donc... On a fini ? Bah ouais, on a fini le prologue en une petite demi-heure. Merci. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé en soi ? Après, c'est sûr que tu vas dire que c'est... Non. Non. Bon. Non, Après... Ça va être très très compliqué. Comme on dit, essayez-le si vous avez envie. De toute façon, c'est il est pas cher, c'est des sous à dépenser. On va avoir un peu de voix. Ouais ouais, tu vas en avoir. Que le maire était très mais il a quand même son charme, en termes d'ambiance, il a son charme. Bah, entre guillemets, ouais, le design est plutôt pas mal. Hein. Le problème, c'est la... Bah, après, il y a la version originale, hein, mais si ça vous bloque, il y a la version originale. En termes de durée de vie, à peu près 11 heures de jeu. C'est donc ça. Ce qui est correct hein, pour un joueur de jeu. Hein. Cette ville a dû connaître c'est juste qu'au niveau du gameplay. Moi, ce qui m'aurait buté un peu dans le gameplay, c'est que bon, cette bestiole n'est pas assez variée. Gameplay, bon, c'est sûr que c'est pas non plus un truc de malade. Possible. Allons trouver le maire. Ah, tu vois, on peut switcher là-bas. Après, en termes d'arc, elle a trois types d'arc. Elle peut avoir trois types d'arc. Elle a un arc court, qui tire beaucoup plus rapide. Un arc moyen, vitesse moyenne. Et un arc long. La flèche sera elle sera plus longue à tirer. Parce que tu vois, le réticule, parfois, il merde un peu le réticule sur certaines situations. Ouais. Mais la flèche sera plus puissante et tu peux zoomer avec. D'accord. Après, en termes d'histoire, bon, il y a quand même le petit côté sympa parce que Elara et Kadok, ils se tonnent gratuitement. Hein. Ça, c'est le gros classique entre les aventuriers. Et... Ça encore, en soi, ça c'est moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai bien aimé quand même finir le jeu parce que c'est un jeu quand tu le commences. Enfin, pour moi, hein, ça dépend des personnes. Attention, hein. T'as quand même envie de savoir la fin. Le problème, c'est que la fin, c'est déception à mort parce que j'ai eu la mauvaise fin. Donc pour ceux qui sont intéressés au jeu. Pour éviter que tu sois. Ouais. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés. Attention, je dis bien pour ceux qui sont intéressés. Par Hunted. Attends, pour le délire, on va prendre la femme quand même. Pour bien terminer. On va terminer sur la jante féminine. Pour ceux qui sont intéressés à Hunted. Je vais vous dire ce qu'il faut pour avoir la bonne fin. Parfois dans le jeu, vous allez trouver des espèces de coupoles en argent dans des grosses arènes.
Ne les buvez pas. Ne buvez pas ces trucs-là parce que ça entraîne la mauvaise faim. Mais n'y touchez absolument à rien. Aucune d'entre elles. Aucune d'entre elles. Parce que vous allez avoir la mauvaise faim. La mauvaise faim, elle est bâclée. Mais quand je dis qu'elle est bâclée, elle est bâclée à un point pas possible. Je ne vous spoilerai pas le truc, mais c'est juste pour vous dire, c'est pour vous éviter une déception au niveau de la fin. La bonne fin, je l'ai regardée sur internet en VO. Elle a l'air d'être beaucoup plus rigolote que beaucoup. Mais déjà, elle est beaucoup plus sympa en termes de une mise en scène, tout ça, les personnages ils s'entendent bien, c'était en VO sous-titré, en VO, mais bon, moi je m'en fous, mais ça me pas. Je referai quand même le jeu, rien que pour avoir la bonne fin. Mais, pour ceux qui sont intéressés, ne buvez pas les coupoles en argent. Après, pour vraiment si le jeu vous intéresse, faites votre propre avis, essayez-le, voilà. Après, rien que vous empêche, hein, peut-être que vous allez aimer, hein. Il y a peut-être des gens sur Steam qui, c'est leur jeu préféré. C'est encore possible, hein. Il y a même des jeux, il y a des jeux, ça peut être, voilà, bah après moi je... Bah toi, vas-y, dis-moi ton ressenti quand même, malgré que tu n'as pas... Non. Vraiment. C'est pas un jeu que... Non. Après, t'as pas essayé, donc après peut-être que t'as pas... Ce qui est dommage, parce que le design même du village, de tout ça, bah, de l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Mais... Ça te non, bloque, c'est un peu trop classique, c'est un peu trop classique, moi, pour... Pourtant, comme je redis, voilà, le design, regardez, bon, c'est beau, hein. Mais non. Bon, bah, c'était sur Haunted. Faites votre propre avis. Il est pas cher sur Steam, 4€, la pub, voilà, on est commercial. Non, franchement, voilà. Après, vous allez dire, ouais, mais le blaireau furtif au niveau des jeux, à chaque fois quand il dit un jeu, il dit, ouais, il a bébé, alors que le jeu, c'est de la merde et tout. Moi, je suis pas difficile, c'est comme au niveau du cinéma, je suis pas difficile. Enfin, bref, voilà un peu mon... Moi, je suis plutôt un cas plus particulier par rapport au bureau furtif. Après, moi, je dis que je suis pas difficile, mais tout ce qui est Skyrim, tout ça, Oblivion, tout ça, je n'aime pas du tout. Je vais peut-être me faire insulter, mais je n'aime pas du tout. Ah bah, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, voilà. 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 Voilà, voilà. Donc, enfin, voilà. Donc, bah voilà, c'était sur Antime, mes chers petits amis du Club Génération Geek. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura à la fin, au générique, à l'outro, tout simplement, une petite bestiole qui se nomme Junior. Junior. Il faudra cliquer dessus. Il est SMS. Non, pas SMS, il est SM. Ah, il est SM. Sadomaso. Après, c'est Sadomaso. Il est super. Super. Ouais, mais ça fait super. Ça fait Sadomaso super. Ouais. Super, bah, Maso Sado. Sado. Ouais, bah oui. T'as manqué de. En plus, on parle de SM8, voilà. Là, toute la gonzesse, quoi. Mais faites un partage, mettez un j'aime, ça nous fera extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Donc là, je vous souviens vous d'un bientôt pour une prochaine vidéo. Vidéo. À bye très bye. Droite et les ailes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça, c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger par-ci.